L'éloge de la féminité ou quand sept danseuses house font vibrer l'esprit du clubbing new-yorkais. Un spectacle d'Ousmane-Sy. Rendez-vous jeudi 12 octobre à 20h à la Maison des Arts et de la Danse de Limoges. Un chemin de dames, un spectacle à découvrir dans le cadre de l'exposition « Entre ombre et lumière, les femmes à l'épreuve de la Grande Guerre ». En débarrassant le grenier familial, une jeune femme découvre des correspondances et surtout le journal de guerre de son arrière-grand-père. Ces découvertes la plongent 100 ans plus tôt dans la peau de son arrière-grand-mère Joséphine. Un chemin de dames au Musée de la Résistance de Limoges, vendredi 13 octobre à 18h30. L'entrée est libre et gratuite. Au fond d'un coffre, un tout petit carnet m'a attiré l'œil. Il était noirci d'une très fine écriture, de plus en plus resserrée au fil des pages, comme si elle courait après le temps. Je venais de mettre la main sur le journal que mon arrière-grand-père avait tenu sur le front. En parcourant les fines pages, je fis la connaissance d'un jeune homme, fraîchement marié à mon arrière-grand-mère Joséphine, plein de vie, de projets, loin du triste portrait qu'on m'en avait fait jusque-là. Je poursuivis ma fouille. Des lettres, des coupures de journaux, des affiches, des cartes postales d'amis, de frères, d'épouses, de mères, des avis de décès me plongèrent dans la vie de mon arrière-grand-mère durant la guerre. Shems en concert dans le cadre du festival Citoyenne de la diversité. Shems reprend un héritage poétique féminin algérois traditionnel et se balade aux frontières de l'oriental, du blues et de la musique manouche. Shems à l'auditorium Clancier de la BFM Centre-Ville, vendredi 13 octobre à 18h. La Parisienne et le militaire, un roi qui s'amuse, un violoncelle truculent, un ours à la démarche affirmée, cette vie parisienne est le fruit d'une rencontre entre Offenbach et Haydn par l'Orchestre symphonique de l'Opéra de Limoges, vendredi 13 octobre à 20h. Si vous souhaitez annoncer vos événements, contactez-nous communication.audiovisuel@limoges.fr.